Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
mamba wenaba pile wabere Jésus
Ibaraka suku mamwele nina. Mandula marambe keni wedrao. Mamia bangla sikili nisepe ontera na neintera. Mama nsepe eshinde, sepe de Ameriki, sipa bangla seza. Mamia bangra sikindi sikindi sasini hatori abram bakate ni sasinani nangata mamba bangra sebeli apinga mamula peto mesia makon mamata la bangre sikindi ni sata sawengi babi pena hando yumi mameta sabani hanki Je suis un peu plus de temps.
digre ni kai da akam kene me kawo ngo mu ni kiti kene ba han tre ka ha me na ko ne ba ha ba ne ma ni ba to ton fu si la barka wa ka kan ga ton nan ko sa pastor Andre to we ton ko ju ga pastor Et voilà, les parents de Yéla. Wakat Moussou, il y a le livre de Nkabé. Là, c'est le livre de Nkabé. La fin de la main, c'est rentre ma main. Mais tu as dormi, il dit non. Moi, par exemple, il y a un grand datant qui est Kamba, il faut un quinze ans. Quand il vient, il dit rien, il est un grand là. Sans des signes, il dit beaucoup. Il y a un livre de côté. Il y a pas de monsieur, donc, répondre tout droit. Kam Kierba, zubo yin kitan to baramba paratan yok to kien kana be paratan kan so mi ngai kitan kien la baram kien me bi me of twain ya hige yele manan me yin kitan paratan yok la saya patara me bi bi asira la waka kien me raba ambi sansin kin bi bi fu wat na yin nan ta kawa nan ko o bi ga to o kien nan kien pa do Ikon siri la baraka. On content d'eau. La tonne de bon wata, monsieur Père Azoubou, un aïele, ti communauté d'Aman, Kachinza, Kamakawaï, au Pava Banga Sanseke, Zemestiti, Chinza, Kamakawa, ton poussal Banga Bataba Baraka, au son ton roi, ou est-ce son ton ouvre à son président Kavaïna, ton de poussayant par Baris, Nibiaston en direct, ou à la Saint-Kelaton en direct. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. À Jésus nous l'aimons. Moi j'ai dit que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc votre amen devrait être plus élevé. Au nom de Jésus. À Jésus nous l'aimons. Pour ce privilège qu'il nous donne de nous réunir ce matin. Que la grâce et la bonté de Dieu vous surabondent. Et continue de vous bénir au nom de Jésus. Mais je voudrais que chacun salue son voisin. Et regarde un peu le visage de il faut le saluer. S'il te plaît, il faut regarder son visage. Il faut le dire le sourire. Il est là, Voilà. Donc nous allons nous parler comme des enfants. Je vais considérer comme et nos mamans comme s'ils étaient des enfants. Et vous considérez également comme vous êtes nos mamans également. Donc on va vous parler comme des enfants. Et vous parlez comme des mamans. Et on va aussi s'adresser à nos camarades. Donc nous allons vraiment, comme c'est des enfants qui veulent se parler, il faut nous donner vraiment, vraiment nous permettre de bien nous adresser à vous. Au nom de Jésus. Comme le temps qui nous est imparti est peu avancé, nous allons avancer. Au nom de Jésus. Jésus. Qui va me donner le thème de la journée? Parmi les enfants. Aïe. El Shaddai. El Shaddai. Il n'y a pas un enfant. Voilà, il faut t'approcher. Approche-toi. Veillez et priez pour ne pas tomber à la tentation. Pour si nous avons un chien magre pour y aller. Amen. 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 Avec les enfants, nous on fait des gestes. Ne kama, ton mime meti man rande. Donc quand moi je fais comme ça, Au nom de Jésus. À Jésus ma Au nom de Jésus. À Jésus ma
Donc nous avons dit dans ce passage, je vais demander à un enfant pour qu'il fasse cette lecture. Matthieu 26, le verset 41. Et je vais demander au milieu des mamans. Et la Bible nous dit, priez afin de ne pas tomber. Je sais que peut-être vous avez eu un enseignement, mais je veux encore brosser un peu. Parce que nous sommes dans une société qui change ou bien qui change à la vitesse de la pensée, ça veut dire en pleine mutation. Et il change de façon pervers. Moralement et spirituellement. Tout est débridé. Ce qui était interdit n'est plus interdit. Ce qui était reconnu comme abomination autrefois est devenu admis et légalisé. Donc c'est parfaitement difficile d'assumer l'humanité. Et c'est dans cette société que nos enfants vivent aujourd'hui. Pour cela, la Bible nous dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Qu'est-ce que la tentation? Qu'est-ce que la tentation? Un enfant peut me répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une tentation? Il y a un enfant qui peut me répondre à cette question. Il y en a pas. Kabe. Ok. Alors, il est seulement la voix. Voilà, il dit l'adultère. Ok, l'adultère, c'est le péché. Et c'est la tentation. C'est bien. Yasoma, que Dieu te bénisse. Donc pour avancer, la tentation est maquée, c'est le fait de vouloir faire quelque chose. Et si toutefois tu fais la chose, cela devient un péché. Ça veut dire voler, par exemple, c'est un péché. Par exemple, il y a de l'argent ici. Il y a de l'argent qui est posé ici. Et c'est posé comme ça. La vraie la guerre. L'enfant guette l'argent. Tu dis que ni prenne guerre. Il prend l'argent. Ah, tandis là, là, c'est une tentation. Il est la magre. Et quand il arrive à faire cela, à 100 points de guerre. Là, c'est plus une tentation. Il n'est pas les magre ici. Mais c'est le péché. C'est pour cela que je veux interpeller à nos mamans. Il y a un titre maintenant comme la Bible nous dit. Oui, non, c'est vrai. Nous allons rendre compte de nos enfants auprès de Dieu. Ton nom tout ça, oui, non, t'as oublié ton cambayer maintenant. On n'a pas largement le temps. Je vais seulement vous donner les versets. Et oui, la Sainte Parole nous converse là. Dans Hébreux 2, 13. Hébreux 2, verset 13. Quand vous lisez, vous allez voir qu'on dit que nous allons rendre des actes. Des actes des gens que nous avons à notre charge. Ça veut dire les parents vont rendre compte des actes de leurs enfants. Qu'est-ce que tu as fait à ton enfant? Qu'as-tu fait pour ton enfant? Jésus même a donné un compte rendu au Père avant de partir. Il a donné le rapport de la vie de ses disciples. Est-ce que y a-t-il pas des enfants perdus? Que diras-tu si Dieu venait à te demander des comptes? Tu diras que tu as bien éduqué tes enfants. C'est pour cela qu'on dit, lève-toi au milieu de la nuit et gémis pour tes enfants. Parce que nous sommes dans une génération et ce que nous pensons
façon, la bombe nous entasse là. Ou bien la technologie est avancée à tel point que tout ce que nous imaginons, demain vous le voyez. Voilà, ça m'a tout entier à la panne. La bombe nous entasse là, on a bien autant de gamins. C'est pour cela. Y a rien qui te. Vous devrez vous lever pour crier pour la vie de vos enfants. Tu entends son maman qui impose le gamin. Vous devrez crier pour la vie de vos enfants. Et son maman qui aime le gamin. Et pour cela, y a rien qui te. Cela a des prix à payer. Et ton son meilleur. Nous devons poser des exemples pour nos enfants. Elles sont ma même maman son autant cabaninga. Et un enfant un jour. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Et après la pluie, et son papa est sorti. Et l'enfant, quand il dormait, après son réveil, il s'est levé. Et il s'est levé pour commencer à suivre les pas de son papa. Donc il a suivi jusqu'à aller arriver, il a trouvé son papa dans le cabaret. Et son papa le demande, comment tu fais pour me retrouver? Si j'ai suivi tes pas, est-ce que si vos enfants vont suivre vos pas, où est-ce qu'ils vont vous trouver aussi? Si vos enfants vont vous imiter, est-ce qu'ils vont vous trouver sur la bonne voie? Élie avec ses enfants, il n'a pas su ramener ses enfants sur le droit chemin. Les enfants Pierre et le peuple qui venait dans la maison, mais il n'a pas eu l'occasion de les interpeller. Il a seulement tissé dessus et il regardait les choses faire. Et voilà, cela va conduire à quoi? Cela va conduire à la destruction de la famille. C'est pas du prophète Élie. Pas prophète Élie. Et on dit que dans la bataille, ses enfants sont tous morts. Et Élie était avancé en âge. Donc quand il a reçu l'information, il est mort et par la tristesse. Je veux dire par crise cardiaque. Et sa belle-fille qui était enceinte également est tombée et elle est morte. Donc cela a amené la destruction de la famille. Prenez à bras et corps l'éducation de vos enfants. Dit qu'il y a rien que la c'est vrai qu'elle est rien comme oublier. Les choses sont devenues dures. Que les chrétiens doivent devenir fervents. Et Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël. Quand le peuple s'est levé et commencé à murmurer contre Dieu, Moïse a intercédé pour eux. Abraham a intercédé également pour Gomorre et Sodome. Est-ce que vous prenez de la peine pour prier pour vos enfants? Sur la semaine, combien de temps prends-tu pour prier pour vos enfants? Tu dois te lever le matin. Je vais même très tôt le matin. Tu appelles ton enfant et tu imposes tes mains sur lui. Il se lève à 4h du matin, il sort et les enfants se lèvent et ne trouvent même pas le papa. C'est vrai que c'est pas facile. Mais pour la vie de vos enfants, vous devez tout risquer. Il ne sert à rien d'avoir de l'argent si votre enfant se perd. Vous devrez prendre l'éducation de vos enfants au sérieux. Elles sont même gardées à Cambodge. Vous devez téléphone dans ma transition. L'internet et internet est devenu un moyen de communication très rapide. Aya sur les par la prière également. Pour ça, nous pouvons communiquer avec fiabilité. C'est pour vous dire, il y a pour pouvoir transformer ce qui vient dans dans la vie de vos enfants. C'est parce que le diable connaît les enfants. Il sait que les enfants sont appelés à devenir meilleurs. Ce sont les enfants qui sont appelés à diriger la nation. Et quand vous les laissez,
La question que les parents doivent se poser. Il y a socré baramba sans son mosok. Vous voyez, nyam neme. Et on a dit aux, à la convention. Et lié la convention aussi, lié la. Les enfants ne sont pas l'église de demain. Kama a pas besoin d'oreiller. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui. Kama y a runda wendoa. Et l'église de demain. La besoin d'oreiller. Donc ce que vous faites aujourd'hui, yam seman bon pour les enfants, marquer les enfants. Bon comment on a dit kama wendoa. Et pour vous illustrer un peu quelque chose. Ça n'a rien de tout aussi un bon bateau. Quand vous achetez votre téléphone. Yam sanda et téléphone. Et ou bien un ordinateur. Voilà yam ordinateur. Un iPhone ou un portable renommé. Et yam da boom et téléphone mix center. Votre temps est en train de passer. Yam da nous yam tiam samana nous. Les enfants évoluent et je veux dire rapidement. Il y a comme Zaman, mais il y a un tchèque à ton temps. Les gens pensent que les enfants sont petits dans leur pensée. Il y a un petit comme il y a un bon retour à voir. Nous devons commencer à enseigner tôt. Elles sont même un signe qui s'en sort parce que les enfants commencent à pêcher très tôt. Par les cambas signes de mettre manier, on est parce que le silence que nous mettons peut amener la destruction de notre famille. N'accepte pas que ton enfant soit ton idole. Les mamans, je vais vous demander. C'est ce qui va l'amener à vaincre dans sa vie. Proverbe dit instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et il dit également, la verge, là, ça ne fait pas du mal à l'enfant. Il faut le corriger. Si il fait du mal, il ne faut pas dire qu'il est petit et puis il va laisser. Quand il va grandir, il va laisser. Est-ce que le bois sec là peut être tordu? Aurez-vous quelqu'un de même comme vous qui allez servir Dieu comme vous? Allez-vous avoir quelqu'un de même qui sait Dieu comme vous? Tu dois réfléchir à ça. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tes enfants sauront comment louer Dieu? Ils ne sauront pas. Les enfants ne sauront pas parce que nos convictions ne sont pas en eux. Ne soyons pas égoïstes que nos enfants soient meilleurs que nous. Les enfants doivent être plus que nous. Parce que les défis de demain sont plus que les défis de aujourd'hui. Et vous venez à l'église. Et vous laissez les enfants à la maison. Vous venez aux prières de nuit. Et vous laissez les enfants à la maison. Soit Isaac, ils sont petits. Il y a notre religion sœur. S'ils partent pour prier le soir, vous voyez l'enfant est à leur gauche ou bien à leur main droite. Mais nous, la tondo, on se lève, on se veste, on vient s'asseoir à l'église, on veut venir prier. Les enfants également doivent prier. Apprenez les enfants à prier. Même si tu étudies, les deux jours de prière dans la semaine ne peuvent pas les empêcher. Mais semaine c'est pour cela eux ils sont toujours la tête. Et nous, nos enfants sont toujours derrière. Apprenez les enfants à prier. Même quand il est petit. Même quand vous venez de mettre au monde votre enfant qui est bébé. Quand vous allez vous lever pour prier, vous le posez à côté à votre droite. Et tu dis, on va prier. Que Dieu nous aide à voir cela. Tu mènes à cela. Il y a un ami qui m'a dit, un ami, je veux dire arabe qui m'a dit, il dit que
que lorsque eux ils mettent au monde leurs enfants, et le premier mot qu'ils vont dire à l'enfant, ils vont chuchoter dans l'oreille de l'enfant. Et il le dit, Dieu est le seul sur la terre. C'est pour dire, il les enseigne quand ils sont toujours bébés. Que dites-vous à vos enfants? Que conseillez-vous aux enfants? C'est la télévision qui les enseigne. Ou bien c'est les feuilletons qui les enseignent. Les parents doivent avoir du temps pour leurs enfants. Le docteur Maïs Mouro dit, que nous devons mourir vide. Ce qui est en nous, l'esprit ou bien le don qui est en nous, nous devons transférer ça à nos enfants. Parce que nos enfants doivent impacter la génération. Les enfants, nos enfants ne sont pas appelés à vivre les mêmes situations que nous. Si nous avons vécu vraiment dans des problèmes vraiment précoces, nous devons amener nos enfants à dépasser cela. Nos enfants ne doivent plus subir les mêmes problèmes. Ils peuvent vivre des problèmes, mais pas les mêmes problèmes. Amenons nos enfants à aller au-delà de nos problèmes. Parce que nos enfants ont des défis. Nos enfants, c'est comme une torche. Une torche. Toi, c'est quand vous mettez des piles, ça va s'allumer. Les piles, c'est comme la prière. Et une pile de main, il y a un pouce. Et si vous voulez que l'Esprit de Dieu qui est comme la lumière s'allume, il faut mettre les piles dans la torche. Si vous voulez que vos enfants puissent prier dans ce monde, il faut mettre des piles en eux. Vous ne pouvez pas prendre la torche posée à côté des piles. Et vous voulez que la torche s'allume. Parce qu'actuellement, les chrétiens font ça. Ils viennent et ils laissent les enfants à la maison. Ils disent, bon, quand ils vont grandir, ils vont apprendre à prier. C'est comme si vous avez pris une torche et vous déposez, vous laissez les piles à quelque part et vous voulez allumer. Ça ne va jamais fonctionner. Ça ne va jamais fonctionner. Luttez pour vos enfants. Et poussez ton cabane. Priez pour vos enfants. Et poussez ton cabane. Parce que ce que nous, on ne les enseigne pas. Par le boom de ton sangasamara. Si nous ne les enseignons pas, ton sangasam se bon kanga. Le monde va les enseigner. Le monde veut des meilleurs. Et si nous n'utilisons pas ou bien nous n'exploitons pas le potentiel de nos enfants à fond, la kamanta la bangan pome. Et le monde va exploiter cela. Et vous allez mettre autant d'argent pour éduquer vos enfants. Je veux dire, même instruire et les amener à l'école. Et peut-être les amener des sorties, ils vont peut-être les payer pour des sorties. Et pour Dieu, la pour une activité biblique, on n'a pas l'argent pour faire ça. Qu'est-ce que les états vont faire à la vie d'un enfant? Qu'est-ce que l'argent peut faire à la vie d'un enfant s'il perd son argent? Si ça part en argent et il part dans l'enfer, qu'est-ce que cela peut le servir? Il faut penser à la chose essentielle pour l'enfant. C'est vrai que vous devez vous y mettre pour la vie et pour l'épanouissement de vos enfants. Mais sans l'Esprit de Dieu ou l'aide de Dieu, nous allons beau vouloir faire, mais nous n'allons pas parvenir. Au nom de Jésus, je vais aller du côté de mes camarades. Les enfants, est-ce que vous m'écoutez? Faites comme ça, je vais voir.
Amen. Amen. Les enfants, Kama, leur prière est efficace. Votre prière peut briser des barrières. Et dans la semaine qui s'est levée, et il a prié pour son papa. La semaine pour la Bible, qui a demandé, voilà, sous le gamin, on pour sa baba. Qui a prié pour son papa? Et qui s'est levé prier pour lui-même? La anon pour moi, il y a eu pour sa baba. Ah, il baille. Bon, deux. Bon, c'est beaucoup maintenant. Ok, vous devriez prier pour pouvoir surmonter aux difficultés. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas pouvoir réussir à l'école. Obéir, bisaké. Et faites ce qu'on vous dit de faire. Il faut faire des choses que vos parents seront étonnés de voir que vous faites. Parce que si vous faites cela, ils vont être fiers et contents de vous. Les enfants. Dieu parle maintenant aux parents et aux enfants. Les enfants, c'est comme une feuille blanche. Une feuille blanche. Quand vous prenez la feuille blanche, il n'y a rien qui est écrit. Voulez-vous écrire pour vos enfants? L'enfant a une mémoire vierge. Tout ce que vous mettez, il prend. Mettez des choses bonnes pour vos enfants. Ne laissez pas la télévision écrire des choses. Ne laissez pas les mauvaises personnes écrire des choses. Amener les enfants à pouvoir écrire des bonnes choses. Les enfants, qu'est-ce que vous voulez écrire dans la feuille blanche? Qu'est-ce que vous voulez écrire? Les enfants, comment? Le succès, le CEP, devenir un pasteur. Amen. Amen. Vous devez écrire des bonnes choses. Ne laissez pas le monde écrire des choses. Parce que les enfants doivent croire dans la sagesse de Dieu. Jésus même croissait en stature. Et Jésus habitait. Et il a eu l'approbation des hommes et de Dieu. Si tu veux être apprécié par les hommes et Dieu, il faudra croître dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il faudra prier afin de réussir. Samuel avait l'approbation des hommes et Dieu. Samuel était apprécié par le peuple. Les enfants doivent être comme la fille de Naaman. C'est par la fille qui était dans la cour de Naaman. A pu amener Naaman à être guéri. Parce qu'elle-même, elle a évangélisé. Les enfants doivent évangéliser. Ils devraient évangéliser leurs camarades. Ils devraient visiter à l'église. Si vous voulez réussir. Et quand Naaman est parti, il a eu la guérison. Et il a eu la guérison. Samson. À Samson. C'est vrai que d'une part, il a échoué. Mais d'une part aussi, il a fait un peu du bien à ses parents. On a dit que Samson sortait. Et il a vu un lion. Et il a tué le lion. La coupe. Et quand il a tué le lion. Et après son retour, il a vu du miel de là. Il a cueilli ses miels. Il est venu donner à ses parents. Ça veut dire quoi? Samson a tué les ennemis de ses parents. Et il a enlevé du miel.
du miel pour donner à ses parents. Ça veut dire qu'il a fait du bien à ses parents. Vous devriez faire du bien à vos parents. Vos parents doivent être fiers de vous. Parce que c'est vous qui devrez délivrer cette nation. Quand vous constatez que les civils sont grandis de jour en jour, je veux dire que les parents et les acteurs en général ont laissé tomber leur rôle. Ils sont abandonné leur responsabilité. Vous allez voir un Dieu qui va brûler le feu. Vous voyez une maman qui voit le feu est rouge et qu'il passe. Comment voulez-vous que les enfants respectent le feu? Donc, il faudra que vous-même, vous amenez, les enfants puissent voir votre exemple et imiter. Et si vous arrivez à réussir à inculquer cela à vos enfants, vous allez voir que nous allons transformer cette société. C'est parce que les chrétiens ont failli. Ce qui a fait que la société est devenue comme ça. Prenez à main maintenant vos responsabilités. Les enfants sont amenés à diriger le pays. Si vous arrivez à diriger très bien vos enfants, les enfants vont ôter votre honte. David a ôté la honte d'un pays. David a ôté la honte d'une nation. Les enfants, voulez-vous ôter la honte du Burkina? Vous voulez ôter la honte du Burkina? Vous voulez ôter la honte du Burkina? Pour terminer, vous voyez l'histoire de l'homme Lazare. Lazare était à côté de la porte de l'homme riche. Et l'homme riche mangeait et il prenait le reste de la nourriture et il donnait au chien. L'homme riche aujourd'hui, c'est les parents. L'homme riche, c'est les éducateurs. Et l'homme riche, c'est ceux qui ont l'autorité. La nourriture, c'est l'éducation que les enfants doivent recevoir. La lycée, ça y a l'hymne, je veux dire, tout ce qui est bien pour amener l'enfant à grandir. Les chiens, c'est le monde. Lazare, ce sont les enfants. Quand vous lisez le passage, on dit que les chiens venaient lécher les plaies des enfants. Et Lazare ramassait les miettes de nourriture qui tombaient sous la table. Ça veut dire que les chiens même avaient pitié de Lazare plus que l'homme riche. Ne laissez pas le monde lécher les plaies de vos enfants. Les plaies, ça veut dire les faiblesses, la tentation. Le monde venait lécher ses plaies. Ne laissez pas le monde lécher les faiblesses de vos enfants. Il faut amener les enfants à côté de vous. Parce que si c'est vous allez soigner ses plaies, vous allez pouvoir les diriger sur la bonne voie. Avec ces tentations qui deviennent, je veux dire, avec ces problèmes qui
naissent de jour en jour. C'est à nous de nous lever maintenant pour contrecarrer. Les enfants ne doivent pas être à l'écart. Amener les enfants à manger. Amener les enfants devant la table. Quand je parle de la table, c'est pas la table que vous avez à la maison. C'est la table qui est l'église. Amenez les enfants devant la table. Nourrissez-les de la parole de Dieu. Vous sortez pour évangéliser. Et vos enfants, même, je veux dire, psychologiquement ou bien les enfants même ne sont pas évangélisés. Il faut même éduquer les enfants avant de laisser le monde venir, avant de laisser le monde les brasser. Si vous laissez le monde lécher les plaies de vos enfants, et le monde va les avaler. Ne laissez pas le monde avaler vos enfants. Quand ils sont dans la phase de la tentation, vous pouvez toujours les ramener. Mais quand ils franchissent cette phase et ils arrivent au péché, si ce n'est que par des prières et des jeûnes, c'est difficile pour vous de pouvoir vraiment les ramener. Levez-vous au bon moment. Je veux dire, c'est le bon moment toujours de pouvoir ramener nos enfants. Je veux parler aux enfants. Ne laissez pas le monde vous lécher. Ne laissez pas le monde lécher vos plaies. Si vous laissez le monde lécher vos plaies, vous allez avaler. Vous n'allez pas pouvoir réussir. Les enfants, vous devriez vous lever et par vous, vos parents doivent être honorés. Les parents doivent être honorés quand les gens vous voient. C'est le fils d'un tel. Moi, je veux que mon enfant soit un tel. Je veux que mon enfant soit comme le premier ministre. Je veux que mon enfant soit comme celui-là. J'ai entendu l'histoire d'un ministre qui a été le ministre des affaires étrangères. Il dit quand il se levait et quand il passe devant le ministère, il dit que mon bureau là serait ici. Et par fini, par ses proclamations, il a travaillé pour arriver à cela. Si vous voulez que les gens vous apprécient, si vous voulez que les gens respectent vos parents, il faut travailler très bien à l'école. Il faut beaucoup prier et obéir à vos parents. Qui veut qu'on dise que c'est mon enfant qui est le ministre là? Oh, c'est trois personnes qui veulent. Vous voulez pas qu'on dise que c'est mon enfant le premier ministre? Baissez les mains. Que Dieu vous aide à pouvoir faire cela. Mais c'est en priant et en obéissant à la parole de Dieu. Et aller de. Avec cette parole et en pratiquant cela, la pisse bon kanga. Et rappelons-nous, la tire. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, la zaman kanga. Le monde ne veut que corrompre les enfants. Le monde n'a plus besoin de vous. Le monde n'a plus besoin de vous tenter. Vous êtes comme des bougies consumées à moitié. Mais les enfants sont toujours entiers. Levez-vous pour la vie de vos enfants. La vie de vos enfants doit vous incomber. Vous devez prendre des risques pour vos enfants. Que la parole de Dieu puisse vous aider. Et que cela puisse vous
vous aider à pouvoir aller de l'avant. La bible la petite ton point tient toi. Au nom de Jésus. À Jésus ou la ligne. Amen. Amen. Avant que tonton André ne vienne pour nous conduire dans quelques sujets de prière. C'est bien tonton André va taper pour ça. Je vais demander à tout le monde de se tenir debout. Et nous allons aller écraser l'argile. La nankin amenti wen nanguri. Parce que tanti Mireille m'a dit que c'est du riz au soso tekbege qu'on va manger aujourd'hui. Ça tanti Mireille la yanati a mui ne terre de zéro. Donc on va écraser. Répondre en wera. Donc wera terre de zéro. Donc comment je vais faire comme ça? Mamsan wa maroto, mamnusa sanjon ta ba. Yamna la ta ba mwen para. Mais si vous ne tapez pas bien, la yam san pomwe soma. Ça veut dire on va mal écraser. Ene non voulez pas na wer ti biso mai. Donc il faut bien. Ene na yam wen non voulez ta biso mai. Au nom de Jésus. C'est na yelen ti kon san di mwen bi ko hala zabi. Ah ah, le man on ta ba nous sanjon so. Yam wi la pa. Nous sanjon so ti yam mwen pa. Sanjon so ti yam mwen pa. Voilà. Ok, on reprend. Alors, vous dites, c'est notre langue et on y aime la langue. Oui, on y aime. Voilà, vous n'avez pas bien suivi, mais ça va aller. Vous n'avez pas bien suivi, mais la deuxième semaine, tu vas bien suivi. Mais on a bien battu Jésus ou la ligne. Tonton André. Tonton André. Et mon ami, je suis massive. J'ai entendu la parole de Dieu. Toi, tu as entendu la parole de Dieu. Nous avons tous entendu la parole de Dieu. Les enfants, vous avez entendu la parole de Dieu. Les parents, vous avez entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire ce matin? Qu'est-ce que la parole de Dieu te déconseille? Wendam Neva. Peuple de Dieu. Wendam Neva. Peuple de Dieu. Tonya Wendam Kamba. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes mis à part. Wakatafa. En tout temps. Au nom de Christ Jésus. Yamsou Wendam Kwama. Et nous qui avons entendu la parole de Dieu, et que j'ai entendu la parole de Dieu, nous allons vous demander tous de se tenir debout. Nous n'allons pas durer. Nous allons prier deux ou une fois. Et avant de s'arrêter. Parce que le temps qui nous est imparti sur le programme est fini. Alléluia. Amen. Toi qui as entendu la parole de Dieu, prie au nom de Jésus et prie de tout ton cœur. C'est au nom de la sous-région de Saint-Basud. Il y a les Saint-Basud sous-région à Yoré. Celui qui vient de donner le message, c'est lui le président. À ton possibilité, quand vous priez à moi, il y a le président, un grand message. Et je suis le secrétaire général de la sous-région. En sous-région. Hein. Donc, je vais prendre la parole au nom de la sous-région. Nanika Kwayane sous-région Yuri. Au nom du président. Le président Yuri. Dire merci à Dieu. En poussant en barque, pour soin en barque. De nous avoir donné ce jour. Ce sont ton de la Kamehina. Dire merci à notre papa. En poussant le terre Baba Barka. Merci beaucoup. Il parle pour cette occasion que vous avez donnée aux enfants. Le volume numéro sont au Gambam. Et ils vont faire quelque chose pour montrer à Dieu et montrer aux parents ce que le Seigneur est à faire qu'il peut faire ça pour eux. Je veux dire merci aux parents. Merci pour le soutien. Et les enfants vont de l'avant tous les jours. Félicitations à vous. Je demande aux enfants d'acclamer pour les parents. Les enfants prennent sur vous. À la maison, dans sa société, à l'école, à l'église, et dans la province.
Donc nous disons merci au nom de Jésus. Jésus, vous l'avez pour tout ce que vous faites. Bon, c'est le Seigneur qui va vous récompenser. Nous voulons vous dire merci encore pour le soutien que vous êtes en train de faire pour les différents camps que nous sommes en train de faire. Les camps enfants. Les camps ados, vraiment vous nous soutenez beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vais ajouter, le camp débute le 29. Pour finir le 5 août. Je sais que vous avez déjà fait beaucoup de choses. Et vous allez faire encore. Nous vous demandons, dans le nom de Jésus, ce que vous avez l'habitude de faire. Et nous allons prier pour le camp. Pour que le camp se déroule très bien. Pour la gloire du Seigneur. Donc nous invitons les conducteurs. Le mardi. Nous allons, ceux qui ne vont pas à l'église. Nous allons se rencontrer au CSPS de Yamtenga. Voilà, pour aller à l'église. Pour cette prière. Pour le camp des adolescents, ça aura lieu à Tiempourgo. Le prix sera 16 000 francs. Nous prions que le Seigneur vous donne l'argent pour que vous puissiez soutenir vos enfants. Participez cela au nom de Jésus. Les enfants, bonne fête. Bonne fête encore. Et encore. Notre prière est que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur vous bénit, c'est garanti. Personne ne peut retirer cette bénédiction. C'est Dieu qui vous a béni. Et personne ne peut retirer ça. Vous allez grandir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un poussé de baramba, un poussé de maramba, un poussé de mendoba, un yam sans sake, qui la canne de zinda. Bumen amené mes barca, boum des yam sans mana. La kamba rona yumna, of timana, tchum bilfu, sentiene of yon awen, when am yulo over him. Rona kamba yakayam, that yakayam. Le team net ni na sanandera tumna en cheng tori ne puso la kamasa wa tona ya kamasa wa kamasa wa la bombona mba a tona ngo la garu manyo kra bir banyo kra e le a bombo al sien maxi songo il puso la 56 barako barako puso nuna no ga sa dio pour son amour la bam ni base era sia pour sa miséricorde pour nous et son nom soit glorifié au nom de qui Jésus. Nous sommes réjouis. Nous voyons qu'il y a un changement dans la vie des enfants. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. De plus, nous remercions les tontons et les tantes. C'est eux qui ont soutenu et les enfants en fait que tout ce puisse bien passer. Nous disons merci aux parents pour leur soutien dans les différentes familles. Pour l'épanouissement des enfants. Que le nom de Dieu soit glorifié.
et que le Seigneur vous assiste dans le ministère au nom de son, au nom de Jésus. En vérité, je dis les tontons et les tantis, votre travail n'est pas facile. De quoi si nous regardons, ne voyons pas de voir qu'ils sont en train de faire, de torturer nos enfants. C'est pour le bien de nos enfants. Je suis dans la joie de les remercier. C'est une grande œuvre qu'ils sont en train de faire. Que le Seigneur les fortifie et que le Seigneur leur donne la victoire pour ce qu'ils ont fait. Le Seigneur multipliera cela pour des jours à venir. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus. Nous disons merci aux enfants. Nous n'allons pas répéter les mots. Cette année, nous allons prier le Seigneur pour vous. Et de plus, soyez des enfants obéissants. Les enfants qui vont obéir leurs parents. Et de plus, des enfants qui vont donner leur vie consacrée pour le ministère du Seigneur. Et pensez-vous, quelqu'un ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et regretter. Que chacun met dans son cœur, je veux être un enfant obéissant. Je veux être un enfant mis à part, obéissant Dieu, marchant avec Dieu. Que chacun mette cela dans son cœur. Et nous allons prier le Seigneur et nous verrons s'il n'y aura pas de changement. Voilà. Et forcez-vous. Cette année, je vais obéir au Seigneur. Je vais marcher. Je ne vivrai pas comme le monde vit. Et là, le Seigneur va nous aider à avoir la victoire. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Et je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Quand on m'a appelé pour confier cette œuvre, quand on a parlé de parrainage, j'ai dit non, non, non. Je ne veux pas ce mot-là. Mais quand j'ai compris, la version, je suis dans la joie. En vérité, j'ai été ici. Si gens que j'ai quitté cette église et que je suis revenu voir ce qui se passe ici, cela me réjouit. Et je suis dans la joie. J'aimerais remercier nos pères spirituels. Si vous sortez et d'autres lieux, même si vous voulez, vous ne pouvez pas faire. Vous qui avez permis aux tontons et tanti de pouvoir œuvrer au milieu des enfants, la vision est très grande que le Seigneur vous fortifie dans cette mission. Comme nous avons entendu la parole de Dieu, c'est tout un grand ministère et sur ce que nous faisions, nous ne pouvons pas dénombrer. J'aimerais dire mes frères moniteurs de les remercier. Allez-y de l'avant. Nous œuvrons dans ce ministère. Il y a des problèmes, mais dans tout cela, allons de l'avant. Ne vous découragez pas, allez de l'avant. Les enfants, on ne veut pas visser les mots. La parole de Dieu, maman, intervenue. J'aimerais ajouter une seule chose. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Christ Jésus. Nous sommes renouvelés.
titon yama lilibwa onle mwendo kanga kamatuna mpasi. Et nous sommes encore appelés à œuvrer au milieu de ces enfants-là. La tonne c'est ça église. Et nous allons vraiment prier le Seigneur pour vous. Afin que le Seigneur vous donne la victoire. À Jésus, au nom de Christ Jésus. Où c'est là-bas, vous serons nous remercions. C'est une grande joie. Nous demandons à ce que le Seigneur fasse. L'année prochaine, si l'Éternel ne venait pas, et que si on ne partait pas vers Dieu, que notre foi est plus croissante que cette année. Et nous allons faire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Plus que cette année, au nom de Jésus. Merci. Que le Seigneur bénisse. Moniteur Lama, les moniteurs, nous vous invitons à se tenir debout. Voilà les moniteurs qui sont venus nous soutenir. Alléluia. Voilà, moniteur Damba, c'est le point de Totore. On va en entier le tour. De mon embarque à la Dafi. C'est qui en bas. À Jésus, ma Asmaïna. Le barbouzou. Merci. Veuillez vous asseoir. Ton pouce. Dans la joie. Pauvre enfant, barbouzou. Et nous vous remercions tous. D'avoir participé pour que la fête soit belle. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Christ Jésus. Et avant d'aller de l'avant, nous allons demander à tous les moniteurs, tous ceux qui sont venus, les moniteurs de notre église, tous les enfants, les enfants qui sont à la main, voici leur maman peut que c'était.